Eh bien bonjour tout le monde, c'est Xoxorn de Planète Xoxo et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un test de jeu, une petite découverte sur Bastion. Alors Bastion, c'est un jeu avec des graphismes époustouflants, mais c'est pas un jeu en 3D comme on peut l'avoir à l'habitude avec les RPG. C'est un jeu en 2D amélioré comme Dofus. Alors ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que c'est un jeu en narration en temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous jouez au jeu, l'histoire se apparaît au fur et à mesure. Mais enfin, au lieu de parler, je crois que je vais vous montrer directement. Alors, on va lancer le jeu. Une nouvelle partie pour vous montrer. Alors, le jeu en lui-même est vraiment époustouflant. Enfin, d'après ce que j'ai vu, les graphismes sont magnifiques. Alors, la voix, je vous laisse écouter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout le jeu sera comme ça. Ground forms up under his feet as it points the way. Comme on peut le voir, plus on avance, plus la voix nous raconte l'histoire. Les objets apparaissent, le décor apparaît. Finds his lifelong friend just lying in the road. C'est vraiment intéressant dans le jeu parce que les armes, etc. Well, it's sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire que les attaques, je vais vous montrer, sont assez bien réussies pour un jeu. He sees what's left of the rippling wall. Alors, je vous cache pas, j'ai quand même essayé. Je suis pas allé bien loin. Alors, on va voir ce que ça donne, si c'est assez dur. Je pense que la vidéo fera que quelques minutes. Hein. C'est juste pour faire un petit test avant que je parte en vacances. Juste pour vous donner envie d'essayer le jeu. Et vous pourrez le télécharger grâce à notre site web. Hein. Je vous cache pas. No, ma'am. It's a gas fella forced out from underground. Kid pops him good. Il a l'air facile à battre. Fella got a piece of him though. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on peut tout casser en fait. Pour récupérer, c'est quoi qu'on récupère? C'est des sortes de petits cristaux. Kid just rages for a while. J'arrêterai la vidéo quand on aura fini ce niveau, je pense. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Le petit croton du ciel. Je sais même pas ce que c'est. Gotta hold her still to spin up the chamber. Franchement, digne d'un film. Franchement, celui qui fait la voix, il va faire plus de vidéos, je crois. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. On est arrivé, je sais pas où. Sometimes you just need a drink. Ok, donc comme on peut le voir, le décor, comme je disais, il apparaît petit à petit, ce qui fait qu'on sait pas trop où c'est qu'on va se cacher. Alors j'ai gagné une barrette de cristal. Oula, ça, ça a pas l'air d'être des gentils. Alors c'est juste une vidéo découverte, hein, juste pour vous faire connaître un petit peu le jeu qui est qui a pas mal de renommée maintenant. D'ailleurs, je crois que Diablo X9 a fait un petit live dessus il y a pas longtemps. Moi, je l'avais ce jeu, mais je l'ai toujours pas fini. Hein. J'avais la flemme de le finir. Et je voulais quand même cette fois. It's a wonder the old saloon still standing. Used to have the nicest view. Mais je l'avais pas fait parce que j'avais pas trop le temps. Alors, avant que Diablo X9 sorte sa vidéo, je préfère le faire. Sinon, si je le fais, après, j'aurai du plagiat, etc. Ça va me faire chier. Donc, je le fais tout de suite. He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender.
The calamity got him forced drinking. Ok, le monsieur a pas l'air très vivant, il a l'air un petit peu empiré. Randy always wanted his ashes scattered here. Plus. Je l'ai cassé, that kid finds his trusty shield. Putain, mais c'est quoi ce bouclier? Il est plus grand que moi? Alors, comment on fait pour se défendre? The security takes him for a petty thief. Ok, ça peut être marrant. Okay. Ah, d'accord. Ça, je pense qu'il faut mieux que j'y rende. Ah, mais je peux lui renvoyer ses attaques. Pas très intelligent, celui-là. Ok, bon, mais un coup de morceau. Special delivery. C'est quoi? Gas, fellas. Ok, c'est pour ça. Ouf, ça par contre, c'est pas... Ah oui, mais ils sont bien doués. Ils sont très rapides. Windbags start turning up for last call. On va casser les caisses avant qu'ils arrivent. Comment je vais faire? Alors, comme on veut voir le système de combat, c'est simple. On clique à l'endroit où il y a les ennemis. Avec la souris. Avec la souris, putain. Et on peut renvoyer les attaques, est-ce que je vois? Ah non. Elle se renvoie toute seule avec le bouclier, en fait. Peut-être faire des combos si on appuie en même temps qu'ils attaquent, j'en sais rien. More squirts start coming out of the woodwork. Ah d'accord, c'est pas fini. Oh là là. Je crois que la vie. Big old fella pops out in front of the kid. Ah oui, d'accord. Them windbags are playing for keeps. Kid don't go down that easy. Ok, je suis mort. Ah oui, mais on peut recommencer. Ok, d'accord. Alors, je pense que c'est le gros qui fait mal. Ok, bon, lui. Lipt. Ils vont mourir. Ah mais je peux tirer, d'accord. Ah oui, d'accord, c'était ça que l'arme que j'avais eu tout à l'heure. Ah, je pense que... Donc voilà. It's a bit of a drop. Je pense que ça va être bientôt fini. Hein. He gets a good look at things on his way down. Ce qui est bête, c'est que la voix, on peut pas la mettre en français. He lands on top même of a breaker's pole, du jeu. And it ain't broke. Ok, j'ai un arc. Et que vais-je faire? Kid spies a good perch for some target practice. Ah d'accord. He knows he should draw the string all the way back. Je vise là-bas, moi. Que ça tient? Ah si, ça. Ok, bon, ça a l'air bon, ça. Tout compte fait, là, je crois que je vais arrêter la vidéo tout de suite. Breaker, once the fastest man oui, parce que ça a l'air un petit peu long. Je ferai peut-être un petit walkthrough sur ce jeu, si ça vous plaît. S'il y a pas mal de vues, etc. Donc, la vidéo va se finir tout de suite. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne. Faites un petit... Enfin, jetez un petit coup d'œil au site si vous voulez avoir Bastion. Hein. C'est un petit jeu sympa que vous pourrez utiliser durant vos vacances, etc. Quand il n'y a pas internet, c'est sympa. Et puis, c'est toujours sympa de voir un jeu différent des autres. Un petit peu comme Limbo. Je crois que je vais faire une petite vidéo test aussi sur Limbo. Tiens, tant qu'on y est. Donc, bonnes vacances à tous. Hein. Je reviens dans 2 semaines, peut-être pour d'autres vidéos. Et donc, à la prochaine, les amis.